Takže bylo to na chatě, ráno zabušil někdo na okenice a povídal, stalo se hrozné neštěstí. A máma se lekla a zeptala se nám a ten dotyčný řekl nám všem. A jaký neštěstí, viděla se přes to máma a ta dotyčná paní z vedlejší chaty říkala, jsou to Rusové. My jsme nevěděli, zda na chatě nějaká ruská banda, nebo co se děje, nemohli jsme tomu naprosto uvěřit. Je vais commencer par un souvenir personnel, comment j'ai appris la nouvelle de l'arrivée des armées du pacte de Varsovie. J'étais à la maison de campagne de notre famille, quelqu'un frappe à la fenêtre et nous annonce un grand malheur est arrivé. Ma mère, bien sûr paniquée, a demandé un grand malheur. À nous tous, répondit la dame en question. Ma mère a continué quand même à demander, mais quel malheur ? Les Russes sont là. Ce qui était parfaitement opaque, parce que ça pouvait vouloir dire qu'il y avait un petit groupe de Russes quelque part dans la maison de campagne d'à côté. Takže jsme se rozhodli, že pojedeme z chaty do Prahy. A já, který jsem se narodil po válce, jsem si nedovedl představit, jak může vypadat Praha obsazená cizím vojskem. A skutečnost byla ta, že to cizí vojsko tady vlastně překáželo. Špatně jezdily vlaky přes mosty, přes Vltavu se jezdil obtížně, tramvaje směly, osobní auta ne. Občas, když jsem byl doma, jsem zaslechl střelbu, tak jsem se dozvěděl od rodičů, že to je střelba do vzduchu, ale nebylo to vždycky tak. Tak to je asi tak mé takové osobní dojmy z té doby, kdy jsem chodil do druhého ročníku na vysokou školu a vlastně jsem prožíval velmi šťastné období. Nous sommes tout de suite rentrés à Prague, de la campagne, et moi qui suis né après la Seconde Guerre mondiale, j'étais très curieux de voir une ville occupée par des armées étrangères, et il s'est avéré que l'impression que j'avais était que ces armées gênaient. Les horaires des trains n'étaient plus respectés, il était difficile de traverser un pont, les voitures ne pouvaient plus traverser les ponts, seulement les tramways. De temps en temps, on entendait des tirs. Mes parents me disaient qu'on tirait en l'air, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc voilà un peu mes souvenirs personnels sur cet événement. À l'époque, j'étais en deuxième année de fac et c'était pour moi une période plutôt heureuse. A pak asi tak rok, zbytek roku 68 a první polovina roku 69, respektive rok 69 a jistým způsobem ještě v roce 70. Na tyto léta vzpomínám opravdu jako na něco, co mě nejvíc jaksi duchovně obohatilo. To bylo období, kdy najednou do toho srpna jsme v podstatě si mysleli, že je to jenom určitá jakási kosmetická úprava komunismu. Poslední jednání s Rusama předtím, než jsem vtrhli, končili takovým zborovém, jako jsme s vámi, buďte s námi. A to se myslelo Rusové a Češi. Je to vaše dílo. Jo? Jako v podstatě jsme si mysleli, že se jenom domluvili a že to bude stále stejné. A pak najednou se to velice změnilo a v podstatě ten náš socialismus jsme považovali za jakýsi výdobytek, s kterým jsme se ztotožňovali. Je dois dire que cette période, fin 68, 69, début 70, c'est probablement la période qui m'a le plus enrichi. Jusqu'en août 68, nous avions un peu l'impression
que ce qui se faisait était un arrangement cosmétique et que le communisme ne resterait plus ou moins inchangé. Je me souviens que lors des derniers pourparlers qui précédèrent à l'invasion du pays, un des slogans que l'on entendait souvent était « Nous sommes avec vous, soyez avec nous » à l'adresse des soviétiques, donc dans un esprit de communauté, comme si nous étions en train de poursuivre leur œuvre. Après, les choses ont bien sûr changé du tout au tout, et notre régime socialiste était différent et nous sommes pleinement identifiés avec lui. C'est devenu notre socialisme. Ještě bych jako považoval za důležité říct, i když je to můj subjektivní zážitek, že vlastně do toho roku 71 veškerý odpor, rezistence proti Rusům se dělá na poli kultury. Tady nevznikla konzumní společnost, což se stalo po roce 89. Tady vlastně vzpomínám na toto období jako na období kulturní, vycházely úžasné knížky a jenom ty úžasné, žádná jako, že musí vycházet úžasný, že musí vycházet blbosti, aby mohly se úžasné knížky vydávat, aby na ně byly peníze. Tady jako ekonomické problémy nebyly. Naopak ta kultura vlastně v takové nejčistší podobě, jak jsem ji za celý život poznal, byla v roce 69. Ce que je vais dire est peut-être très subjectif, mais j'avais l'impression en ces années 69, 70, 71 que la résistance se faisait presque entièrement sur le champ culturel. C'était bien différent de la société de consommation que nous connaissons aujourd'hui, celle de l'après 89. D'excellents livres paraissaient et que des excellents livres, c'est-à-dire nous n'étions pas dans une situation où il faut publier une quantité de livres moyens, voire mauvais, pour pouvoir financer la parution de bons livres. Je dirais que la période où j'ai pu expérimenter une situation de culture à l'état le plus pur, c'était paradoxalement 69. J'aurais envie de rebondir là-dessus. Certains des auteurs dans le film mentionnent cet aspect-là, ou en tous les cas, c'est un des thèmes du film. Qu'est-ce que c'est d'écrire dans l'histoire, d'écrire dans une certaine situation historique? Quel est le rôle de l'écrivain vis-à-vis de l'histoire? Est-ce que c'est un rôle de dissident, etc. Et en quelque sorte, cette question, si je la simplifie, c'est quelle est la fonction de la littérature? Já jsem od toho odpíchnu, v tom filmu několikrát je řeč, nebo jedním z témat je vlastně vztah autora k dějinám, nebo k dějinné situaci, ve které se nachází. Místy zaznělo v tom filmu jako myšlenka ta, že by spisovatel vlastně měl být svým psaním angažovaným, měl být disidentem. V podstatě, když to zjednoduším, jaká je pro tebe funkce literatury? To není snadná. To je question difficile. Jako pro nás známá historie literatury je tak od Homéra, řekněme, a člověk by se měl snažit, když je to jakési jen jakási idea v dálce, do této sady se nějak zasadit. A v tomto smyslu teda je ten lidský život jenom krátkým úsekem této historie. Ale každý tento úsek jako jakýsi
úsek, ve kterém se znovu celá ta historie opakuje, může být inspirativní a může přinést pro tu literaturu to, co jiné období přinesly jiným autorům. Takže vždycky jenom záleží na tom autorovi, jako nemusí člověk se říkat, o čem má psát, když zrovna není trojská válka. Jo. Tak asi tak. V každé době existuje něco tak zásadního, jako je trojská válka. Akorát je strašně obtížné to vidět a vyjádřit. Donc, l'histoire de la littérature telle que nous la connaissons, disons, commence de façon simplifiée avec Homère, et je crois que chaque écrivain désire s'inclure dans cette lignée-là, dans cette histoire-là. Et la vie humaine n'est qu'un très bref segment par rapport à cette histoire. Mais dans ce bref segment, l'ensemble de cette histoire de la littérature se répète, et même au cours de ce bref segment, on peut trouver des éléments qui nous permettront de faire écho à ce qui a inspiré les auteurs, les grands auteurs de l'histoire de la littérature. Nul besoin de se casser la tête. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire alors que la guerre de Troie n'a pas lieu en ce moment ? Je crois qu'il y a toujours des événements comme la guerre de Troie. Mais il n'est pas toujours facile de les percevoir. Vous avez peut-être des questions? Oui. En quoi la peinture permet-elle de mieux faire voir ce qui n'est pas toujours perceptible? Jakým způsobem umožňuje malba dát nahlédnout věcem, které nejsou často, které není často snadné vidět. Tedy jde spíš o doplňování možností obou prostředků vyjadřování. Takže jakoby chtít vyjádřit příběh barvami lze obtížněji než toho docílit psaním, na druhé straně zase těžko lze popsat obraz, čili jsou jisté atmosféry v těch barvách bezprostředněji, v těch tvarech na plátně bezprostředněji, mohou bezprostředněji sloužit jistému vnitřnímu záměru. Jestli to takhle i nahlédne potom divák, to je otázka. Ale že by jaksi zachraňoval obraz to, kde už slova nestačí, to rozhodně ne, a neplatí to ani naopak. A neplatí to ani o jiných žánrech umění, jako o hudbě třeba. Encore une fois, ce n'est pas une question ici. Je crois que les différents moyens d'expression se complètent avec à chaque fois des facettes un peu différentes. Il serait difficile, ou en tous les cas, oui, il serait difficile de dire une histoire, un récit, à travers des couleurs. Et inversement, il serait dur de décrire un tableau autrement que par l'écriture. Donc je pense qu'il y a dans la peinture quelque chose de beaucoup plus direct, quelque chose de beaucoup plus immédiat, qui s'exprime à travers les formes et les couleurs et qui essaie d'exprimer l'objectif intérieur que je ressens sur le moment donné. Ce que perçoit ensuite la personne qui regarde le tableau, ça peut être autre chose, bien sûr. Mais en même temps, voilà, je ne veux pas non plus dire que les différents moyens d'expression se sauvent les uns les autres des différents manques que l'on peut trouver dans la musique, dans la peinture, si l'on regarde ça de façon globale. Je ne sais pas si ça répond à votre question. D'autres questions ? Moi,
j'ai vu une chose à deux reprises dans le film, je crois que c'est Vatsulik et Topol qui disent ça, qui considèrent que l'écriture est un moyen d'autothérapie. Est-ce que c'est vrai pour vous aussi? Topol a Vatsulik, c'est une nuit autant que je me sens forma autothérapie. Vnímáš to taky tak? No tak to určitě, to jako se domnívám, že je, třeba by se nemuselo říkat autoterapie, ale způsob, jak zaplnit čas, vlastní čas, aby se člověk méně trápil. Ale je to vlastně teda autoterapie. Je crois que, enfin, je serais tout à fait d'accord. Je n'appellerais peut-être pas ça, je n'utiliserais peut-être pas forcément le terme d'autothérapie, mais c'est vrai que pour moi, c'est une façon de remplir le temps pour moins souffrir, ce qui peut-être est une forme d'autothérapie. Ale právě ani nezáleží na tom, jestli to, co člověk sám napíše, někdo bude číst, v tom jako spatřuje i to, že to psaní není jako služebné. Pro většině je to záležitost vnitřní potřeby. Et c'est tellement, je crois, vrai que l'existence d'un lecteur, en tous les cas au moment de l'écriture, est complètement secondaire. On écrit primairement à partir d'un besoin personnel. Oui, alors une remarque obligée. Il est dit dans le film que la création se porte bien lorsqu'on est opprimé. Qu'est-ce que vous pensez de cette opinion-là? Na filmu taky zaznívá v domění, že domněnka, že tvorbě se dobře daří za úklapu. Co si o tomhle to myslíš? No. Jako domnívám se, že každý autor je jakoby v tomto světě za sebe, takže každý autor také považuje za útlak něco jiného. Takže já třeba bych považoval například za velice jako psaní znesnadňující útlak, kdyby mě před domem hrála rocková kapela. A přitom je to pro svobody. A ce sujet, jenom přeložit, a ce sujet, je pense que chaque, comment dire, chacun est responsable envers soi-même, ou chacun doit être responsable envers soi-même, et de fait, chacun considère comme oppression autre chose. Par exemple, je considérerais moi comme quelque chose d'opprimant si un groupe de rock jouait en bas de mes fenêtres. En tous les cas, pour mon écriture, ce serait opprimant. Moi, je o uznání češtiny, když ta čeština už je prostě svobodný jazyk, se může bezprostředně vyjádřovat, že nemusí obhajovat. Et de façon inverse, j'aimerais vous demander votre opinion sur une phrase que dit Topol dans le film, justement à l'opposé, qu'il considère que c'est bien de se retrouver dans une situation où les écrivains ne sont plus dans un contexte de responsabilité envers la langue, cette responsabilité de défendre, de construire cette langue, ou peut-être d'asseoir quelque part l'identité de la nation et de la littérature tchèque à travers cette langue. C'est une très intéressante question. Je bych přirovnal obdobnou situaci v malířství, do jaké míry člověk může lépe malovat, když snadno sežene barvy. Jak si
opravdu jakoby zbavit se nějakých takových náhradních programů pro psaní je jistě zajímavé. Ale často se právě s těmito náhradními programy, ke kterým se váže především čtenářstvo, zbavíme čtenářstva. Když se bojoval o český jazyk, tak si nekoupili tu knížku o nějakém venkovském ševci, protože to bylo tak úžasné, ale protože to bylo napsané česky. A teď ještě, když to bylo napsané česky jako s určitým nebezpečím, že dotyčnej píše česky, no tak tím víc ta knížka měla prestiž, že? Takže tato situace poškozovala literaturu. Málo kdo si třeba uvědomí, jak poškodila literaturu samizdat. Každý to považuje za něco, jako kde se statečnost malé skupinky lidí jakoby, nastavovala tvář jako společnosti. Ale zde zase šlo o velice často průměrný, až podprůměrný psaní, které díky tomu, že to byl samizdat, získalo svou prestiž a později teda to dopadlo, jak to dopadlo, že pak jako tady, jak si... Takže v podstatě souhlasíte s tím, že? Ano, ano, v podstatě jo, jestli to mysleli takhle, jak já, tak jo. J'aurais tendance à comparer ça avec la peinture. Est-ce qu'on peint mieux quand on peut plus facilement se procurer des tubes de peinture? Je ne sais pas. L'idée de se défaire de tout programme est certainement intéressante, mais en même temps, il y a toute une complexité qui est liée à la relation au lecteur et à la relation au lecteur envers ces différents programmes. Par exemple, si on prend la situation au XIXe siècle, qui est celle à laquelle, je crois, faisait référence Topol principalement en disant cela, on est dans une situation où un certain nombre de lecteurs vont acheter un livre, indépendamment de son sujet, même si c'est un récit plus ou moins insignifiant sur un cordonnier, que parce que ce livre est écrit en tchèque. Et le seul fait d'écrire en tchèque, c'est-à-dire de prendre position contre la langue officielle qui était l'allemand à l'époque, garantit le fait que le livre va intéresser les lecteurs. Et je crois que c'est très nuisible pour la littérature, parce qu'il y a là un biais faussé dans la relation au texte. Et ce même biais faussé ou ce même effet nuisible était très présent, je crois, dans la littérature du samizdat, c'est-à-dire dans les livres clandestins sous le régime communiste, pour la simple raison que... rien que la nature clandestine de ces livres en faisait un fruit désiré, mais qui, parce que l'on imaginait que ces auteurs, forcément par leur attitude, offraient un miroir à la société, alors que souvent il s'agissait de textes moyens, voire très faibles. D'autres questions? Oui, à la fin du film, on voit cet écrivain, l'évêque, qui en fait publie son livre, alors je ne sais pas si c'est un monde, mais sur les années de chien, je crois. Oui. Il publie au moment où l'interview avant 89 sont disponibles. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de passage justement entre ces écrivains de pression de la distance et celui-ci qui se définit sans détail comme quelqu'un qui aurait fait un étudiant de la normalisation, puis ensuite. Parle de pragmatisme, en fait, il a très bien intégré les outils du marketing. Et est-ce que finalement, qu'est-ce qu'il représente lui aujourd'hui? Est-ce qu'il représente une tendance? Et inversement, tous ces écrivains qui avaient écrit, commencé à écrire sans pouvoir publier avant 89, est-ce qu'ils ont des héritiers aujourd'hui? En fait, quel est l'équilibre entre, au sein des littératures tchèques aujourd'hui? Film Kočí zajímavěk, svědectví který říká, že začal publikovat souběžně v době, kdy masivně začaly vycházet oficiálně knihy autorů, které dříve nemohly publikovat. U něho je samozřejmě vidět celý pragmatismus, skvěle zvládl pravidla marketingu a tak dále. Zajímalo by mě, jestli představuje nějakou širší tendenci, jaká je jeho pozice nebo pozice
těch, tohoto typu spisovatelů dnes a naopak jaká je pozice těch autorů, kteří vydávali v samizdatu, nebo jestli mají nějaké pokračovatelé. Pokračovatelé ti v tom samizdatu. Je to otázka vývěka a vlastně velice ilustrativní místo ve filmu, kde se projevil, mně připadala velice humorná, akorát to nevěděl vývěk a neviděli to ty masy čtenářů, kteří ho kupují a v podstatě dneska nečtou nic jiného. Učitelé ve školách mají jako doporučenou četbu právě Vývega. Čili Vývek je takový konfident režimu na snižování laťky v literatuře. Je trouve que le ce témoignage de Vývek apparaît et l'emplacement auquel il apparaît dans le film, j'ai trouvé ça très très drôle. Mais je crois que Vývek n'en était pas conscient et que ses lecteurs n'en sont pas conscients. C'est très nombreux lecteurs ne sont pas conscients. Ce que je trouve effarant, c'est que les livres de cet auteur, par exemple, sont recommandés dans l'enseignement, par exemple, dans les écoles primaires, secondaires. En quelque sorte, Vivek est le confident du régime pour abaisser le niveau culturel de la société. On samozřejmě to není jeho vina, je to taková doba, on by v obrazenectví třeba takhle úspěšný nebyl. Je pense que ce n'est pas sa faute, c'est aussi en grande partie l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Peut-être que au 19e siècle, à cette époque de renouveau national, il n'aurait pas eu le succès qu'il a aujourd'hui. Zajímavější je to pokračování samizdatu. To je velice jako inspirativní otázka. Tady část autorů samizdatu brala práci v samizdatu jako odbojářskou. A po roce 89 přešla do politiky. Tak tam psala projevy a tak dále. Ale pak je zde pár autorů, ve filmu to byl Zbyněk Hejda například, který svoji samizdatovou činnost převedl do jaksi vydávání oficiálního, ale v podstatě se to tím etosem příliš od toho samizdatu neliší. Je to vlastně dost jako výrazný příklad pro tento druh přechodu ze samizdatu do skutečné kultury. On nemusí být pronásledován, i kdyby jak si to někomu vadilo, ta literatura, protože je naprosto neškodná. Ty též básně, já nevím, kam se ztratili ti, co je obdivovali před rokem 89, nebo co to bylo za hru. Par contre, l'autre partie de la question est très intéressante, je crois, ce qui s'est passé avec les auteurs de la dissidence. La suite de ce groupe d'auteurs-là. Sous la normalisation, publier en samizdat était, par la plupart, perçu comme une forme de résistance, d'opposition, donc comme une attitude politique. Un grand nombre de ces auteurs, après 89, se sont lancés dans la politique et se sont mis à écrire des discours, etc. Mis à part quelques exceptions, et dans le film, parmi les auteurs du film, je citerai Zbigniew Hejda, dont l'attitude éthique envers l'écriture est finalement restée la même après 89. Et son passage du samizdat à l'édition officielle s'est fait de façon surprenante.
nul, il n'y a aucun besoin d'opprimer, de, comment dire, de persécuter cet auteur, parce que ses textes sont parfaitement inoffensifs d'un point de vue politique ou social, mais ils ont gardé cette même force éthique. Par contre, bien sûr, il est certes moins lu. Du coup, je me demande où sont passés tous les lecteurs qui le lisaient avant 89. Qu'est-ce que c'était comme jeu ? Peut-être pour finir, j'aurais envie de demander, 10 ans, plus de 10 ans se sont écoulés depuis que ce film a été réalisé. Józef Korecki est décédé en début d'année. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Quelle a été l'évolution depuis ten film, že jsem zřejmě přes 10 let starý. Jak by si hodnotil ten vývoj, ty situace? Vyvinulo se to nějak? V čem se to liší? Bylo dalších autorů, že mladší autoři ještě? Po roce 89 jsem žil v takové naivní představě, že nás autorů je asi 10 a Jan Lopatka všechny zná a má je kolem sebe a na starosti, takže není snadné, aby i čtenáři v nich měli přehled. Takže to je jen tak pro zasmání taková představa, která samozřejmě ani neodpovídala skutečnosti, respektive odpovídala nepřirozené skutečnosti díky samizdatu. Tam se skutečně, když opakuji stále toto slovo, velice snadno získal přehled o české samizdatové literatuře. Snadno pak, že člověk měl přístup jaksi do toho podzemí, do toho undergroundu. Après, au lendemain de 1989, je vivais avec cette idée très naïve qu'il existait en République tchèque, en Tchécoslovaquie, que 10 auteurs et que le fameux critique littéraire Jan Lopatka les connaissait tous. Et donc il était très facile de se faire une idée du visage de la littérature tchèque. C'était bien sûr totalement irréaliste. Mais je crois que cette idée, cette vision-là correspondait un peu à l'ambiance dans le milieu du samizdat, dont on pouvait assez vite et assez facilement faire le tour, pour autant qu'on ait accès, qu'on y ait accès. No a všechno tomu udělalo konec tržní hospodářství, protože vlastně ta literatura v součinnosti s nakladatelem začala na sebe brát jisté požadavky, takže jestliže autor chtěl nakladateli vyjít vstříc, aby na tom, co on napíše a co mu by vydal, nezbankrotoval, tak ten obsah musí přizpůsobit té neviditelné ruce trhu, která kultuře samozřejmě je naprosto nesmyslnou, jako nebezpečnou kontradiktorickou záležitostí, jaká pak neviditelná ruka trhu v kultuře, která vlastně jaksi být ani nemusí. Že? Jako když jde o chleba, tak samozřejmě je výhodný jako takhle uvažovat, protože nakonec je potřeba, ale tadyhle to jaksi je jenom ničení té kultury, když se to má nějak takhle převést do toho tržního soukolí. Nicméně takhle to funguje a vznikla taková, nebo mám se rušit? Já to přeruším. Avec, bien sûr, l'arrivée de l'économie du marché en Bohème, donc une situation qu'on connaît ici, intimement, la littérature, bien sûr, commence à avoir une relation différente avec l'édition et avec la demande. Les auteurs, bien sûr, sont souvent amenés à être tentés de répondre à la demande de l'éditeur, de modifier un peu leur thème ou leur écriture pour éviter que l'éditeur ne fasse faillite, tout simplement.
Mais je crois que cette application des règles de la main invisible du marché dans le domaine de la culture est quelque chose de parfaitement contradictoire et de destructeur et de complètement absurde. Bien sûr, lorsqu'il s'agit, je ne sais pas, du pain ou des besoins matériaux les plus basiques, c'est une image utile et probablement nécessaire, mais pour la culture, c'est parfaitement néfaste. Zde vzniká taková jaksi velice paradoxní strategie, že špatnou knížkou si vyděláme na pěknou. Le résultat, c'est une stratégie tout à fait paradoxale, bien connue dans l'ensemble du monde aujourd'hui, c'est-à-dire, en publiant un mauvais livre, on gagne suffisamment d'argent pour en publier un bon. Takže, když si to přeložíme, ta špatná knížka znamená ta, která se všem líbí, kterou si rádi koupí, kterou rádi budou číst, pak jim úplně už přejde chuť na čtení něčeho náročného. Protože čtení náročné knížky vyžaduje jakousi výchovu, vzdělání. I to je vlastně určitým způsobem poslání literatury, protože literatura nám ukazuje věci kolem, kterých bychom si bez ní nevšimli. Bien sûr, quand je dis mauvais livre, j'entends par là un livre qui plaira au plus grand nombre, que tout le monde va pouvoir acheter. Mais je crois que c'est pernicieux dans le sens où ces lecteurs-là ne vont probablement pas ensuite acheter le bon livre qu'on aura publié avec l'argent gagné avec le monnaie. Tout simplement parce qu'ils n'auront pas envie de lire un livre exigeant. Pour cela, c'est un goût qui s'apprend. Qui demande un certain effort, une certaine éducation de lecture. Non, a texte d'apprendre pour se niveler. Je zachraňuje věci, které bych se jinak nevšiml. Děkuji. La littérature en ce sens, je crois, sauve des éléments que seule justement la bonne littérature aperçoit et nous fait apercevoir. Des choses qu'autrement, probablement, on ne verrait pas. Takže co vlastně dělá ta špatná literatura? Upozorňuje nás kolem sebe na něco, čeho bychom si vlastně všímat neměli, abychom mohli pokračovat někam dál. Proto je právě v tom Orwellově, o kterém jsem se zmiňoval, úžasný moment, který bych chtěl srovnat s tou špatnou literaturou, a to je desetiminutovka nenávisti. Když si představíte špatnou literaturu, naštvete se, jakože někdo něco ukradl nebo někdo někoho zabil, jo? Chvíli to ukazujete všude lidem, jako by byla skutečnost, a místo toho člověk mohl jít dál. En quelque sorte, la littérature nous fait apercevoir des choses non seulement que nous n'aurions pas remarquées, mais que nous ne sommes pas censés remarquer. Je vais reprendre une analogie avec Orwell que j'ai citée dans le film, qui parle de 10 minutes de haine, où l'on s'énerve beaucoup. Si on compare un mauvais livre, par exemple, à une mauvaise action, à un vol ou à un meurtre, et qu'on montre ce mauvais livre comme si c'était réellement quelque chose d'aussi mauvais, on va s'énerver longuement, on va avoir une réaction émotionnelle forte, qui finalement est une perte de temps que l'on aurait pu mettre à profit pour avancer ailleurs. My jsme jednou stáli před knihkupectvím s jedním svým přítelem, spisovatelem, a říkali jsme si, vypadá to jako knížky, ale nejsou to knížky. A což teprve, kdybychom šli do kina. Je me tenais une fois devant la vitrine d'une librairie avec un ami écrivain, et nous nous disions, ça a l'apparence de livres, mais ce ne sont pas des livres. Et Dieu merci, nous n'allons pas au cinéma. Je crois que le problème
Et quel malheur, c'est que ça a l'air d'être des livres et ce sont des livres. Potíž je ovšem v tom, že to vypadá jako knihy a bohužel to jsou. Já tady neznám, že je teda velmi špatně znám, tržní, teda knižní v Čechách, velmi špatně, ale mám dojem, že jste dělali určitou paralelu mezi zdejším tržním knižním trhem a v Čechách. A já jenom si myslím, že tady neexistuje ten způsob, jak si vydělávání na knihy. Já znám autory, kteří prostě na knížkama nevydělají a tak jsou třeba další, kteří si s nima vydělají, ale ne, že by prostě se psal jednou tuhle knížku. Ne, 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 to je spolu nakladatele, ne autora. Ne, ne, také jistě. To jsem nemyslel. Takový Dalimar by nemohl vydávat spoustu výborných knížek, kdyby nevydával ten kníž. Za velkých nákladech. To nakladatel si musí z něčeho žít, že? No. Ne, vydává ty dobré knížky, ale musí na ně někde vidět. Protože sami o sobě nikdo nekouzí. Sinon, on peut les éditeurs peuvent être subventionnés par l'État autant du communisme, et puis voilà, il n'y a plus de marché. Et du coup, la culture, donc, c'est pas mieux comme il faut. Historiací bylo, aby stát zrušoval kulturu, aby znovu a přestalo být tržní, přestalo být hospodářství a potom, aby se vypálí, jako třeba by tím pádem mohla znovu vzkvétat, jak má. To bylo dobré, tady by potom místo té neviditelné ruky trhu, takovéto kulturní vzdělané společnosti, figuroval kritik, který by měl prestiž a který by ovlivňoval i možnosti toho nakladatele. Dans cette vision idéale et peut-être utopique, le rôle de la main invisible du marché serait ou devrait être remplacé par le critique qui aiderait à déterminer a fixer des critères de choix. My jsme měli takového jednoho kritika, jmenoval se Lopatka. Už jeho jméno stačilo k tomu, aby se tolik lidí z literatury bavilo na jeho účet, že to bylo opravdu trapné. Or, il y a eu en Bohème dans les dernières, enfin, les dernières 20, 30, 40 années, un critique littéraire qui, je crois, remplissait ce rôle de façon véritable et pleinement. Et je crois qu'il était détesté par l'énorme majorité des gens qui s'occupaient de littérature. Son seul nom suffisait à lancer de longues diatribes contre lui. Třeba můžu něco říct, mě by vždycky napadá, jak by vypadala ve středověku, dědictví středověku, kdyby v té době byly dnešní tržní úvahy, jak by byla katedrála celá vysoká, jak by tam byl vysoký strop, jakým způsobem by se spousta jiných věcí, které tak obdivujeme a fotíme dneska, vlastně vyvíjeli. J'ai cette idée d'imaginer comment seraient les choses si au Moyen Âge fonctionnait cette même façon de penser selon l'économie de marché. Par exemple, quelle serait la hauteur des cathédrales?
toutes ces choses que l'on admire aujourd'hui, que l'on prend en photo, qu'est-ce qu'il en serait avec cette attitude-là? Takže když jsme zrovna v době, která je nejbohatší, tak se chováme nejchuději. Je to otázka jako duchovní. C'est une question de richesse d'âme. Nous vivons dans une période qui est probablement une des périodes les plus riches et nous nous comportons d'une façon qui est probablement une des plus pauvres. D'autres questions? Peut-être pour ne pas finir sur cette note sombre, je voulais dire, je voulais donc reprendre encore une fois la lecture demain et vous dire que un des derniers romans d'Evan Matoushek vient ou est en cours de traduction, mais je crois que la traduction est finie, le roman Oslara, la célébration, et paraîtra début 2013 aux éditions Noir sur Blanc. Ještě bych si mohl poděkovat za otázky, které jsem dostal a že jsem něco řekl, ale ještě oni budou finišovat. Yeah. Et Evan Matoushek me dit de vous remercier pour les questions qu'il a reçues, qu'il a répondu comme il pouvait, mais qu'il va encore continuer d'y réfléchir. Merci beaucoup. Ouais.